L'amour n'a de sens que par rapport à l'être aimé. Les fantômes du passé et notre entourage peuvent s'agiter, mais le dernier mot nous revient. Bienvenue dans Un couple, une histoire. Aujourd'hui, nous partagerons la vie du couple mort. Mais avant, je vous invite à vous installer et à suivre ce qui suit. Jeune homme très pieux et ambitieux, Monsieur Mao fidèle espère que le Tout-Puissant lui accorde la grâce du mariage avec une femme à la hauteur de ses attentes. Il lui faut attendre l'année 2005 pour faire la rencontre de la belle Hubertine. La relation est comme il avait rêvé et 7 ans de fiançailles plus tard, il l'épouse le 19 décembre 2015. Aux côtés de leurs 3 enfants, les Mans ont connu certes le bonheur, mais aussi des vertes et des pas mûres. Passionné d'un couple une histoire, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Monsieur Mans fidèle, instituteur, et Ake Gobe Hubertine, son épouse, qui elle est caissière. Bienvenue chez vous. Merci, Miliane. C'est un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Le plaisir est partagé. Nous venons de suivre un élément. Est-ce qu'on retrouve l'histoire du coupement? C'est exact. Exactement ce qu'on avait vécu. C'est ce que vous avez vécu, Hubertine? Bien sûr. Il est toujours avec nous sur ce plateau, Monsieur Kwasi Richemont. Comment vous allez? Ça va bien, Miliane, merci. Pour ceux qui découvrent l'émission, il faut savoir qu'il est conseiller matrimonial et il est aussi psychologue. C'est bien ça. Voilà. Et avec lui, on a l'occasion d'échanger, de mieux comprendre la vie de nos couples. Nous allons pour la première rubrique de notre émission, la zone romance. Dans la zone romance, nous découvrons l'histoire d'amour. Où est-ce qu'ils ont rencontré l'amour? Et là, tout de suite, je vais demander à Fidèle, où est-ce que vous avez vu votre épouse pour la première fois? Merci, Miliane. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion, l'opportunité qui m'est offerte, enfin, de pouvoir parler de mon amour pour ma tendre et chère épouse qui est là. Waouh! Il faut dire que c'est depuis 2005 lors d'une activité organisée par les jeunes d'une église, précisément à Bobo-Indotré. Et le président de cette jeunesse était mon frère aîné. C'était ma première fois de pouvoir participer à une telle activité, mais bien avant, mon frère m'avait déjà briefé que j'ai une jeune fille au sein de cette église qui avait un très bon caractère, donc il souhaiterait que je vienne voir si ça peut m'intéresser. Ah, donc vous avez déjà son CV. Voilà. D'accord, ok. Donc, je suis allé à cette activité et c'était une conférence prononcée par un pasteur, mais je n'étais pas, à vrai dire, concentré sur la conférence. Arrivé, il m'a tout de suite, par un clin d'œil, dit « c'est elle qui est là ». Donc, j'ai commencé à suivre tous ses faits et gestes pendant la conférence. Et à la fin de la conférence, il y avait un agapé. On devait mettre la main ensemble et chaque jeune devait faire un repas pour apporter. C'est ainsi que mon épouse qui est là, ce jour-là, elle a fait ma sauce préférée. Je ne sais pas qui lui a dit. Ah! Voilà. En tout cas, elle a fait le riz à la sauce feuille. Oui, tout comme et tout bon. Vraiment, ouais. Son mets était véritablement apprécié par tous ceux qui étaient présents à la conférence. Donc, tout de suite, elle rentrait dans mes critères. Le premier critère, c'est savoir cuisiner. Voilà, savoir cuisiner parce que ma maman, vraiment, elle nous a appris à bien manger. Donc, je savais qu'une fois dans le foyer, il faut que la femme, que la première des choses, voilà, sache faire la cuisine pour éviter que je ne parte manger dehors, ce que je n'aime pas d'ailleurs. C'est là, on s'est vu, mais là, je ne lui ai rien dit après la conférence. Je suis parti à la maison, de retour, j'ai dit à mon frère que vraiment, c'était l'idéal, qu'il fallait essayer. Mmh. Donc, je peux dire, me résumer, c'est là que ça a démarré. C'est là que ça a démarré. Hubertine, le jour de la conférence, est-ce que vous l'aviez remarqué ou pas? Comme à ce moment, je ne le connaissais pas, donc je n'ai pas mis mon idée sur lui. Et à quel moment vous commencez véritablement à échanger? Bon, il faut dire, pendant cette conférence aussi,
Non, il y avait une autre activité de, des jeunes où lui et moi, on s'est retrouvés dans le même sketch. Mm-hmm. Voilà, c'est comme ça, on est devenus amis et on a commencé à se fréquenter. Vous êtes retrouvés dans le même sketch, c'est-à-dire il y avait une pièce théâtrale. C'est ça. Mm-hmm. Vous deviez faire la même pièce. Mm-hmm. Et c'est là que vous l'avez vue. Et le hasard a fait qu'elle était mon épouse. Ok, ça commence à venir. Mm-hmm. Donc dans la pièce, on dit c'est votre épouse. Voilà, je devais tout faire pour la convaincre, la conquérir. Ah. Donc je devais faire ce jeu-là, comment les jeunes abordent les filles à l'église. C'est ce que je devais jouer. Donc, c'était votre cas pratique en même temps. Vous avez profité de l'occasion pour voir les mots qu'elle aimait, les mots qu'elle n'aimait pas. Et après... C'est bien cela. Et j'avoue que j'ai réussi le coup. Dans le sketch. Ouais. Mais bon, après, elle a joué le jeu parce que c'est le sketch, n'est-ce pas? Et après? Bon, après, j'ai commencé à la fréquenter chez elle, à la maison, chez ses parents. Parce qu'elle vivait avec sa mère. Je me suis fait accompagner par l'un d'un frère de l'église. Qui est maintenant à l'intérieur du pays. On a commencé à la fréquenter, à aller la saluer. Mais là, je n'avais encore rien dit. Mm-hmm. Je pense qu'il y a eu plusieurs périodes, au moins des mois, avant que le 7 août, je crois, 2007. Oh, donc, je peux dire deux ans plus tard. 7 août 2007. Ouais, de août de 2005, c'est en août 2007. 2007, le jour de l'indépendance. Le jour de l'indépendance, 7 août 2007. Votre amour a pris l'indépendance aussi. Voilà, je l'ai appelé et puis je lui ai dit qu'il y avait quelque chose à faire à l'église. Mm-hmm. Pourtant, en réalité, il n'y avait rien. Donc, elle est venue à l'église et puis bon, nous sommes allés dans la salle de prière, de la communauté et puis c'est parti. Je lui ai avoué mes sentiments. Ah! Mais elle, ça, vous ne saviez pas qu'il n'y avait pas d'activité sur à l'église ce jour-là? Non, je ne savais pas. Ah, donc il vous dit, il y a une activité, il faut que tu viennes. Mmh. Donc vous venez et vous arrivez, c'est lui qui est là. Oui. Il n'y a personne d'autre. Vous lui dites quoi? Je lui ai demandé qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Il m'a dit, bon, ok, viens dans la salle de prière, je vais te dire. Et c'est comme ça. Il m'a avoué ses sentiments. Mais bien avant ça, il faut dire... J'étais déjà passée par ma camarade qui m'avait déjà dit. On dirait que le monsieur n'a rien dit. Donc, quand elle m'a parlé, moi, j'ai mis ça en prière. Bien avant qu'il n'arrive, j'ai commencé à prier. Plus de 3 jours de jeûne sec pour demander à Dieu si vraiment il est l'homme de ma vie. Que Dieu mette vraiment son amour dans mon cœur. C'est comme ça que j'ai prié. Et quand j'ai prié pendant les 3 jours, il faut dire qu'il n'était pas encore venu, mais j'avais commencé à ressentir de l'amour pour lui. Donc, c'est comme ça. C'est il y avait déjà une attirance. Donc après, ça s'est concrétisé. Et à quel moment il parle de mariage? Moi, c'est le 7 août, là. C'est là, il m'a demandé. Ah, donc le 7 août, quand il est venu avouer ses sentiments, il a dit en même temps que j'ai l'intention de t'épouser, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ouais. Fidèle, c'est bien. Vous êtes concret. Vous êtes allé droit au but. C'est ça. Comme nous sommes, il faut que j'explique le cas, nous sommes dans un cas religieux. Mm-hmm. Quand tu abordes une jeune fille à l'église, la seule chose qu'il doit lui dire, c'est que tu as un projet de mariage pour elle. Ce n'est pas du copinage. Tout de suite, tu dois lui dire, c'est un projet, ce que tu as dit là, ça doit aboutir au mariage. D'accord. Voilà. Donc, il n'y avait pas autre chose à lui dire ici, c'est pas pour lui dire que c'était pour faire un projet de mariage. Et donc, elle a le 7 août, non, le jour de l'indépendance. Oui. 2007. 7-7. Ouais. Est-ce que c'est une symbolique particulière pour vous ou c'est juste comme ça que vous avez... Non, bon, ces jours-là, comme c'est un jour férié, je ne peux pas aller dans les activités, donc j'ai trouvé que c'était idéal. J'ai coordonné avec mon frère, avec sa meilleure camarade, et puis bon, c'est allé. Et comment s'est passé les préparatifs du mariage, le jour du mariage, quand vous l'avez vu rentrer? C'était quoi vos émotions et vos sentiments? Ouais. Bon, ça c'est un jour, c'était précisément le 15 décembre 2015. 19. Le 19 décembre 2015, autant pour moi. Ah, 19 décembre. 19 décembre 2015, à la mairie d'Abobo. Ce jour-là, c'est un jour exceptionnel. Mmh. Je suis rentré le premier dans la salle de mariage. Et puis, bon, le maire de cérémonie, il a dit son nom. Quand j'ai regardé derrière, elle était sublime. Était ravissant dans sa robe. En tout cas, ces jours-là, j'ai eu le meilleur sourire que je n'avais jamais eu.
Vous avez reçu, mais c'est vous qui avez fait le meilleur sourire. C'est moi, j'ai fait le meilleur sourire. Parce que c'était vraiment mémorable. Et jusqu'à ce qu'on l'emmène près de moi, et je me rappelle encore des paroles que j'ai dites. Je lui ai dit que tu étais quoi? Très ravissante. Voilà, elle n'a pas oublié. Je lui ai dit qu'elle était très ravissante. Voilà. Et vous, quand vous avez vu votre époux dans cette mairie? Moi, j'étais heureuse. Mm-hmm. Parce que vraiment, avec tant d'années, aujourd'hui, il est mon époux. On parle de mariage à la mairie. J'étais très heureuse. C'était le enfin. Oui. Maintenant, appelez-moi Madame Ma. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et quels sont vos bons moments? Quels sont les bons moments que vous avez passés? Quels sont les meilleurs souvenirs que vous aviez? Bon, faut dire, après tant d'années de fiançailles, il m'a honorée par la dot. En tout cas, il a suivi les procédures de coco à la dot et au mariage. Ce sont les moments vraiment qui m'ont marqué. Et j'ai trouvé en lui un homme idéal. Vous trouvez en lui un homme idéal. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Ce qui me plaît chez lui, c'est que c'est un homme qui donne, quand il aime, il donne tout son amour. Il est vrai en amour, on va dire. C'est ça. Bah, et après, il s'appelle Fidèle, hein, donc je pense que... C'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez votre épouse? Il y a bien longtemps, on est ensemble, mais je ne l'ai jamais vu fâché. OK. Pas pour exagérer, mais même si elle n'est pas contente, elle sait m'habiller, elle sait maquiller, elle garde toujours le sourire. Et c'est ce que moi, je recherchais chez une femme. Si ça ne va pas, je ne veux pas que tout de suite, quelqu'un qui arrive, sache que ça ne va pas. Elle garde toujours le sourire. Même quand je fais des... Je dis n'importe quoi. Quand je fais des choses qui ne lui plaisent pas, elle n'a jamais haussé le ton sur moi. Donc vraiment... Je peux dire, de tout ce qu'on a vécu, c'est ce que j'ai retenu. C'est ce que vous retenez. C'est essentiel chez elle. Là, on a parlé de qualité. Ouais. Mais j'ai envie de dire, en termes d'attrait physique ou d'atout, oui. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez votre femme? Son sourire. On peut faire le sourire pour le Seigneur. Son sourire. Comment ça? Hé, Seigneur. Mais c'est quoi ces richements? Mais Yann, c'est vraiment impressionnant. C'est beau, hein, l'amour. Oui, c'est vraiment beau. Moi, ce qui m'impressionne, mais ce qui me plaît ici, c'est que M. Ma a pris 2 années. Mm-hmm. C'est-à-dire que pendant ces 2 ans, il a eu le temps de l'observer, de pouvoir analyser comment elle est et tout ça. Et puis aussi, l'attitude aussi de son épouse, c'est-à-dire qu'elle a confié ça à Dieu. C'est ça. Ouais. Et avant de rentrer dans un mariage, dans une relation, il faut toujours confier à Dieu. Et pour finir, elle a, c'est-à-dire que Dieu l'a honorée. Elle a dit, Seigneur, si c'est vraiment l'homme idéal, je voudrais qu'il puisse vraiment tomber amoureuse de lui. Et c'est vraiment impressionnant ça. Félicitations. Merci. Félicitations à Fidèle et Hubertine. Merci, Liliane. Il est important de se sentir en sécurité dans la vie de couple. Mais lorsque des personnes extérieures tentent par tous les moyens de vouloir déstabiliser notre relation, tout peut arriver. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons découvrir dans la zone de turbulence. Dans la zone de turbulence, nous découvrons ce qui a failli détruire la relation, ce qui a perturbé notre couple. Alors, monsieur et madame Ma, oui. Quand est-ce que s'est présentée la première difficulté dans votre vie de couple? Moi, je n'ai pas connu de difficultés en tant que telle, parce que avant qu'on ne soit ensemble, les enquêtes que j'avais menées sur elle, c'est qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Donc, les 2 ans là, c'est ce qui a fait que tout de suite, je ne suis pas allé vers elle. Moi aussi, je me suis aventurier. L'aventure n'a duré moins de 3 mois. Ça n'a pas marché. Et après, j'ai appris qu'elle n'était plus avec le dernier. La personne. Voilà. Donc, j'ai mené toujours mes enquêtes par le biais de sa copine, sa camarade, qui m'a rassuré. C'est ainsi qu'on s'est mis ensemble. Mais celle avec qui moi j'étais, qui en réalité ne m'aimait pas, on n'était plus ensemble. Quand elle a vu que j'étais en relation maintenant avec mon épouse qui est là, bon, elle a commencé à s'intéresser
enfin, toutes sortes de scènes. Donc, si je peux dire que quelqu'un a vécu véritablement... La difficulté, c'est vrai. C'est certain. Alors, Hubertine, qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous mettez en couple? Quand cette dernière a appris que j'étais avec lui, bon, leur relation, personne n'était au courant. Mm-hmm. Et quand elle a appris qu'il était avec moi, c'est là qu'elle va venir maintenant pour dire à tout le monde qu'elle était avec lui. Même sa, ma camarade, ma meilleure amie même qui nous a mis en contact, est la cousine de cette dernière. Attends, c'est votre meilleure amie qui vous a mis en contact. Donc après la rencontre à l'église et tout et tout, c'est la meilleure amie qui a été le, le pont. C'est ça. Parce que comme j'étais avec quelqu'un, après quand il a appris que je n'étais pas, il n'était plus avec cette personne, il allait voir mon ami pour dire... C'est maintenant que je vais aller vers ta camarade. On ne peut pas le terrain avant que je n'arrive. Donc, c'est comme ça, ma camarade là, m'a parlé de lui. Et puis, j'ai pris le moment de jeûne pour prier avant que lui-même ne vienne. Donc, c'est comme ça. Après cela, la fille est apparue pour dire qu'elle était avec lui. Ma camarade, même qui nous a mis en contact, qui est elle, sa cousine, n'était pas au courant. Donc, celle, l'ex de votre époux, c'est la cousine de votre amie. De ma camarade. D'accord. Et elle, c'est comme ça qu'elle a déménagé. Elle est venue vivre chez eux pour dire qu'elle était avec lui. Elle a commencé à pleurer, faire des scènes. Et c'est là, ma camarade est revenue maintenant vers moi pour me dire que c'est vrai, c'est moi, je vous ai mis en contact parce que je ne savais pas qu'il était avec ma cousine. Maintenant qu'elle est venue, me dit qu'ils sont ensemble et elle pleure, elle ne mange pas. Donc, j'aimerais que vous arrêtiez. Donc, c'est comme ça, ma camarade. Elle vient vous demander d'arrêter. Monsieur, quand vous savez que votre ex cherche à nuire votre relation, qu'est-ce que vous faites? Bon, tout de suite, moi, j'ai vu ça comme de l'amusement. Parce que cette dernière, elle ne s'est jamais intéressée à moi. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous étiez en relation? En peine, 3 mois, ma situation était précaire, sociale. Donc, c'était difficile. Elle avait honte, même de moi. Okay. Mais quand on doit cheminer, je suis devant, elle est derrière, ou bien quand je suis derrière, elle est devant, elle n'a jamais accepté qu'on fasse route ensemble. Et personne ne savait qu'une telle relation existait. Quand vous dites personne, vous, à votre niveau, vos amis n'avaient aucune information là-dessus? Non, non. Pourquoi? C'est vous qui n'avez pas dit ou c'est elle qui a dit? C'est la feuille de route qu'elle a voulu qu'on tienne. C'est comme ça qu'elle a voulu les choses. Ok, donc elle vous dit, on se met en relation, mais personne ne doit savoir. On vit notre relation dans le secret. Voilà. Jusqu'à ce que moi, je la surprenne avec quelqu'un, un doyen d'ailleurs, d'âge. Donc, c'est ainsi que moi, je me suis retiré. Et on s'est retiré. On s'est séparé bien avant. Ça peut faire au moins 1 an avant même que je ne vienne vers mon épouse qui est là. Donc, vous êtes séparé il y a eu 1 an. Un an. Qu'elle a su que vous êtes en couple, elle a commencé à s'agiter. Voilà. C'est ça. Donc, tout de suite, j'ai dit à ma chérie, non, mais ça, ce qu'elle fait là, c'est peut-être... Elle veut que soit elle ne perd pas. Toi, si elle perd, toi aussi, tu dois perdre. Il ne faut pas tenir compte de ce qu'elle fait, mais il faut me regarder. Moi, j'ai fait mon choix. Je suis un homme. Donc, mon choix, c'est toi. On est resté là-dedans un jour. Les deux sont venus chez moi. Et les deux, c'est-à-dire? Les deux, elle et puis mon est. OK. Voilà. Bon, déjà, vous, quand le monsieur vous donne cette information, vous croyez à 100% ou on se dit, bon... Mon cher, c'est un garçon, il ne faut pas y être trop m'aventurer alors qu'il est en train de faire autre chose. Merci. Est-ce que cette idée vous a traversé l'esprit, Hubertine? Bon, au fait, quand ma camarade m'a dit de rompre avec lui, je suis allée le voir. Moi, puisque j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Parce que c'est le Seigneur même qui a mis l'amour dans mon cœur. S'il n'était pas mon homme, il ne pouvait pas mettre son amour dans mon cœur. Donc, j'ai demandé à Dieu que Dieu même me montre les preuves. Et voilà comment je vais avoir les preuves. Donc, c'est comme ça, la fille en question m'a appelée. Moi, c'est ce qui m'a convaincue. Quand elle m'a appelée, elle m'a dit, tu es belle, je suis belle. Faut pas on va faire par là, à cause d'un homme. Et qu'est-ce qui te fait dire que moi, si je suis avec ma famille demain, parce que ses parents sont à Yamoussoukro, si je me rends en famille, qu'est-ce qui prouve que moi, je vais me souvenir encore d'un homme du nom de... Fidèle qui est dans... En tout cas, à ce moment, il gérait une ferme. Elle l'a prononcé dans un poulailler.
Donc, tout de suite, j'ai compris qu'elle n'aimait pas vraiment. C'est comme ça que j'ai eu les preuves pour dire que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que si elle l'aimait, elle ne pouvait pas dire dans un poulailler. Parce qu'il gérait une fête. Donc, elle vient vous voir. C'est ce qui m'a convaincue. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'elle a mené comme action pour saboter votre relation et votre mariage? En tout cas, il faut dire qu'elle partait de cours en cours pour pleurer. Tous les moments de l'église, même mes camarades, elle a tout fait pour gagner leur affection. Et toutes ces personnes ont commencé, à me détester. Parce qu'ils se sont dit quoi? Comme je la vois pleurer, pourquoi je ne me retire pas? Donc c'est comme ça, c'est ce qu'ils me disaient, ces moments de l'église et autres. Parce qu'à chaque fois, elle va chez une maman, elle va pleurer, elle va faire une scène. Tout de suite, elle tombe dans son piège. Mais moi, avec ce qu'elle m'a dit, moi, je savais qu'elle n'aimait pas. Donc, j'ai cru tout de suite à ce que lui a dit. Et comment est-ce que votre famille a réagi aussi? Bon, il faut dire, ma maman, elle ne voulait pas. Et pourquoi? Elle ne voulait pas. Elle ne m'a pas dit la raison. C'est comme ça. Elle dit, je ne vais pas désobéir à ma maman. Parce que pour rentrer dans mon foyer, il y a besoin de sa bénédiction. Donc, je ne veux pas désobéir, mais je vais toujours continuer à prier. Si Dieu dit, c'est mon homme, lui, il va convaincre ma maman. Donc, c'est comme ça. Ma maman, elle a commencé à l'aimer. Il y a aussi les moments de l'église, chez qui la fille en question pleurait. Il me disait qu'il faut laisser le jeune. Il y a une même qui a dit, la main, il l'a laissé là, puisqu'elle partait raconter des mensonges. Donc, elle aussi, elle m'a appelé un jour, elle a appelé même ma maman aussi. Vous dites que de la manière il a laissé là, c'est comme ça. Nous aussi, on ne va pas arriver à quelque part, il va me laisser. Donc en fait, il y avait déjà cette pression extérieure là sur votre relation. Mais justement, Fidèle nous disait qu'un jour, vous êtes retrouvés avec la jeune dame chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez là-bas? Parce que, arrivé à un certain moment, comme elle gâtait mon nom partout, il a trouvé une solution pour dire qu'il était avec elle. Il la faisait croire. Il est avec elle, qui n'est plus avec moi. Donc, elle avait arrêté de gâter mon nom. Donc, c'est comme ça, un jour, elle est venue me voir pour dire que, puisque lui a dit qu'il est avec elle, elle est venue me voir, elle est confiante. Tellement, elle est venue me voir pour dire, allons, pour ne plus que je te vois avec lui, allons, il va faire son choix. Parce qu'elle était sûre que son choix était porté sur elle. Sur elle. Donc, c'est comme ça qu'on est parti chez lui. Arrivé là-bas, elle lui demande. C'est elle-même qui a pris la parole. Que je suis venue pour que tu fasses ton choix. Parce que si tu choisis, tu me choisis, je ne veux plus voir elle ses pieds derrière toi. Si c'est elle, tu ne vas plus voir mes pieds derrière toi aussi. Donc, c'est comme ça. Et puis, il a fait son choix. Ce jour, elle a dit... c'est elle mon choix, c'est ma frère Hubertine mon choix, c'est parce que tu gâtais son nom partout que je t'ai fait croire que je suis avec toi. Et quand je l'ai fait, tu avais cessé de gâter son nom. Et c'est comme ça qu'elle est sortie. Jusqu'à présent, elle n'a plus mis pied derrière lui, jusqu'à ce qu'elle quitte Abidjan. Monsieur, quand vous avez fait croire à votre ex que vous n'êtes plus, c'est-à-dire que vous avez décidé de revenir avec elle. Mais pendant cette période-là, est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous passez du temps ensemble à cette période-là? Bon, non, pas vraiment. En fait, la stratégie, c'était de ne plus qu'elle me voit avec elle. Les scènes se répétaient chaque fois qu'elle me voyait avec mon épouse. En fait, quand vous voyez votre épouse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un scandale. Voilà, bon. Pas qu'elle fait le scandale directement, mais elle va aller... pour salir l'image, son image. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, pour sauver ma relation avec mon épouse qui est là, il faudrait que je marque un arrêt vis-à-vis de l'entourage. C'est vrai qu'on était toujours ensemble, mais on va faire croire aux gens que c'est bon. Donc, ça, c'était dans commun accord avec votre épouse que vous avez décidé cela. Voilà. Donc, c'est une stratégie à payer en quelque sorte. Voilà. Donc, elle a arrêté, et comme mon épouse l'a dit tout à l'heure, elle était confiante maintenant. Elle a commencé à se glorifier de sa victoire. Donc, ces jours-là, elle venait en réalité pour humilier mon épouse. C'était la stratégie qui était là. D'accord. Et comme ça, les deux sont venus chez moi.
Elle a dit, bon, il faut que je fasse un choix. Je lui ai dit oui, que mon choix était déjà fait, que je t'avais déjà dit. Mais comme tu ne voulais rien entendre, et puis tu étais en train de salir notre témoignage, ce qui est vraiment important pour nous. Mm-hmm. Donc mon choix, c'est ma femme, c'est Hubertine qui est mon choix. Mais moi, j'ai envie de dire, pourquoi laisser cette relation extérieure influencer votre vie de couple? Madame, vous ne vous êtes pas dit, il y a anguille sous roche. Il faut dire, si au moins elle n'était pas au quartier, on peut comprendre. Mais c'est pour ça qu'elle a déménagé pour venir au quartier où nous sommes. Donc, bon, moi, je me suis dit quoi? Mon cœur ne battait pas parce que j'ai prié, le Seigneur m'a convaincue. Donc, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Je voulais apporter une précision, si vous permettez. Bon, en ce temps-là, en ce moment, on n'était pas encore en couple. OK. Le couple est venu après le mariage. Voilà, parce qu'il faut que j'éclaircisse un peu. Maintenant, chacun vivait chez lui. C'était comme période de fiançailles. Ouais. Donc, tout peut arriver. La période de fiançailles, on peut changer d'avis aussi. Voilà, ouais. On n'était pas encore en couple. Donc, cette dernière-là se disait qu'elle pouvait gagner quelque chose. Gagner quelque chose. Voilà. Donc, mais depuis le mariage, non, là, ça ne peut pas arriver. Ça, c'est impossible. OK. Voilà. Et quel était votre comportement vis-à-vis de votre époux? Bon. Face à cette situation? Il y avait confiance en lui. Parce qu'il m'a dit une chose et j'ai vu la preuve. Donc, j'ai mis ma confiance en lui. D'accord. Et vous, est-ce que vous étiez informé que ses parents ne voulaient pas de vous? Là, vraiment, elle ne me l'a pas dit. Elle ne me l'a pas dit. C'est plus tard. C'est combien de temps après que vous aviez su? Non, ça, c'est après le mariage. C'est après le mariage que vous avez pu savoir. Le couple, elle a dit, bon, ça n'allait pas à la maison, mais elle ne m'a jamais dit. On a dit que votre ex était allé jusqu'à s'affamer et à faire des scènes dans des églises. Comment vous vous êtes senti quand vous avez su ça? C'était la honte pour moi. En tout cas, j'avais maigri. Même j'ai encore ces images en photo. J'avais maigri et j'avais une seule camarade qui me consolait en ce moment, qui est elle aussi sa cousine. Parce que toutes mes camarades m'avaient abandonné. Donc, c'est la seule qui me tenait compagnie. Vraiment, en tout cas, je ne sais pas comment lui dire merci même. Même le jour du mariage, même elle était là, elle remuait sa tête. Elle ne savait plus quoi dire. Et justement, parlons du jour du mariage. Votre ex, après la situation où vous avez dit, vous avez fait votre choix, elle n'est pas restée là. Quelques jours avant le mariage, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, juste avant le mariage, mon best man, il m'a offert un costume. Voilà, et il résidait à Yamoussoukro, coïncidence. Elle, quand elle est partie d'Abidjan, c'est là-bas qu'elle s'est retrouvée. Et le best man, il a trouvé un styliste là-bas. C'est là-bas, il a fait ma tenue. Donc, je devais aller à Yamoussoukro. Aller chercher la tenue. Essayer et puis ramener la tenue. Et c'est pas le hasard, il savait que je devais venir à cette heure précise, à ce jour précis, à Yamoussoukro. Elle m'a appelé, elle a cherché à me rencontrer. Donc, quand on s'est rencontrés là-bas, moi, je me suis dit, bon, c'est fini, quelqu'un qui parle de son mariage, elle a la date de mon mariage. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec moi désormais? Demain, on reste frère à l'église. Donc, je suis arrivé là-bas. Et elle a cherché à me rencontrer, elle m'a offert le déjeuner, tout ça. Et c'est là, elle m'a dit qu'elle voulait vraiment tenir à moi. Elle m'a fait plein de promesses pour dire, bon, elle a une situation plus meilleure que la mienne et que vraiment, si j'acceptais que je renonçais à mon mariage, elle allait, en tout cas, être avec moi, nous prendre une maison, on allait être plus heureux, qu'est-ce que je vais vivre. Donc, je l'ai écouté attentivement, il a dit, OK, j'ai compris. Mais moi, je veux savoir, quand vous partiez à ce rendez-vous, est-ce que vous avez informé votre épouse? Non, je ne pouvais pas. D'accord. Parce que si je le disais, elle ne peut pas croire qu'il n'allait rien avoir. Même si elle a confiance en moi, mais la veille de son mariage, il a dit, je m'avais rencontré mon ex. Ce que ça allait créer, peut-être la joie qu'elle allait avoir le jour du mariage, là, ça pourrait enlever. Donc, j'ai préféré garder et je n'ai jamais eu le courage même de lui dire. Je crois bien qu'elle a appris par ses amis. D'accord. Donc, à la rencontre, l'autre fait une proposition. Voilà. Elle va jusqu'où pour la proposition? Non, elle m'a dit que de renoncer, puisqu'elle avait une situation plus stable. Elle avait un projet de voyage, tout ça. Elle m'en a parlé. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci, mais j'ai déjà donné ma parole. Et là où on est arrivé maintenant, c'est les deux familles qui sont engagées parce qu'on a déjà payé la dot. Donc, elle n'a qu'à accepter. Ma prière, c'est que le Seigneur lui donne quelqu'un qui est peut-être
qui sera meilleur que moi. Et c'est comme ça. Mais elle n'a pas voulu. Elle lui a dit, bon, demain, on va se revoir pour en parler. Donc, on s'est séparés. Moi, j'ai fermé mon téléphone et je suis revenu chez Abidjan. Elle n'arrivait plus à me joindre. Et ça a été... ça a quand même été un peu difficile, on va dire. Très. Hubertine se sentait toujours menacée. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur pour votre vie? Moi, je dis oui aussi. Parce qu'il me dit quoi? S'il allait vers elle, c'est parce qu'il l'aime. Donc, je me suis dit, est-ce que aujourd'hui, voilà, ses sentiments ne peuvent pas renaître. Donc, j'ai pensé à ça. Et puis après, il dit, bon, de toutes les façons, si ce n'était pas pour moi, le Seigneur n'avait pas m'exaucé. Face à cette situation, Hubertine est restée calme et sereine. D'où lui venait cette force? Comment a-t-elle pu résister à toutes ces tentations et ces oppressions extérieures? C'est ce que nous saurons dans la prochaine rubrique. Donc, au conseil conjugal, nous nous tournons d'abord vers notre expert. Et là, je veux savoir, Richement, est-ce qu'on doit parler de son passé à son partenaire? D'accord. Avant de répondre à la question, j'aimerais venir un peu en arrière. C'est-à-dire, M. Mans, son ex petite amie, qui, depuis le début de leur relation, elle n'a jamais voulu exposer la relation. À un moment donné, il s'est rendu compte que la fille ne l'aimait plus. Donc, il s'est retiré. Mais en plus de cela, elle se rend compte que lui, il est dans une autre relation. À partir de là, elle commence à se poser des questions. Il y a ce sentiment de regret qui vient. Du coup, naturellement, ce qui n'était pas aussi l'air, si je peux m'exprimer ainsi. On a aussi le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Et dans des cas, dans des situations, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour saboter les relations. Parce qu'au début, il y a une négligence de la part de ces personnes-là. Pour répondre à votre question, vous savez, quand on est dans un couple, quand on est dans un foyer, c'est à deux. Et le passé est primordial, le passé est nécessaire. Chérie, on se met ensemble, mais voici ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, quand cela revient après, il y a d'abord le découragement. Tu peux te dire que c'est tellement j'ai été trahi et tout ça. Donc, il est vraiment nécessaire et indispensable de pouvoir parler de son passé à son conjoint. Il est indispensable de parler de son passé à son conjoint. Donc, si vous avez eu 15 ex, c'est l'occasion de dire... Ouais, l'émission est là, vous pouvez profiter. Hein. Avouez en même temps. Profitez de l'émission et avouez directement à votre partenaire, juste à côté de vous, votre passé. Elle va comprendre que c'est l'esprit de l'émission. Il va aussi comprendre que c'est l'esprit de l'émission et vous pourrez avancer. L'autre question, c'est de savoir, face à ce genre de situation, quelle est l'attitude qu'il faut avoir? D'abord, il faut se calmer parce qu'il y a l'euphorique. Je ne suis pas informé, après j'apprends cela. Donc du coup, on commence à se poser des questions. Donc, à vous, certainement, de pouvoir essayer de parler à son partenaire. Et vous savez, souvent, il y a le passé, on se dit qu'on a un peu honte, c'est qu'on a fait. Souvent, si on se dit, est-ce que la personne, certainement, va continuer la relation? Donc, de peur à ce qu'on puisse se séparer. Donc, du coup, les gens sont un peu sceptiques, les gens n'ont pas envie. Mais quand ça arrive, il faut se calmer, il faut parler, il faut poser des questions et puis essayer de faire comprendre aussi à son partenaire ou à sa partenaire, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu parler de cela? Et que pensez-vous de l'attitude de monsieur et madame? D'abord, je reviens à la dame qui, d'abord, a confié sa relation à Dieu. Et aussi, dans sa prière, elle a été convaincue. Donc, du coup, moi, il y a eu cet élan de solidarité et de compréhension. Moi, c'est ce qui ressort de là. Élan de solidarité et de compréhension. Merci richement. Et je me retourne vers Hubertine et Fidèle. Comment vous avez finalement pu gérer la situation? Moi, de mon côté, faut dire, c'est le conseil de son grand frère, de ma nouvelle amie, qui vraiment m'a encouragée avec la prière. Ce qui a fait que j'ai surmonté. Face au découragement de certains membres de votre famille, vous n'avez pas baissé les bras. Votre regard restait fixé sur Fidèle. Pourquoi? Parce que je l'aime sincèrement. Oh, c'est beau l'amour. Aujourd'hui, Fidèle, qu'est-ce que vous pensez de votre femme? Ouais, c'est l'idéal. Je rends grâce à Dieu parce que c'est un don qu'il m'a offert, je ne le méritais pas. Elle est exceptionnelle. Une très bonne mère au foyer. Son attitude vraiment me rend heureux. Et
l'éducation de nos enfants entièrement de ses mains, vraiment. Je dis merci à Dieu pour ce don qu'il m'a offert. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là, maintenant, tout de suite? Vous pouvez la regarder, justement, lui faire une déclaration d'amour devant la nation tout entière. Bon, je l'ai appelé mon amour le jour de notre mariage. Et c'est le nom qu'elle garde ou bien vous avez garde, un autre petit nom? C'est le nom qu'elle garde, donc je lui dirai ce soir. Mon amour, depuis le premier jour de notre rencontre, l'amour que j'ai porté pour toi, je garde toujours ce même amour en moi et je voudrais te dire merci pour tout le bonheur que tu m'apportes parce que tu as une bénédiction pour moi. Je voudrais que tu gardes ton bon sens, quel que soit tout ce qui va arriver, je voudrais que tu restes toi-même. Oh, c'est mignon, on va applaudir mon fidèle. Hubertine, c'est à votre tour. Qu'est-ce qu'on dit à son mari? On a tout supporté. Il est là. Qu'est-ce qu'on lui dit? En tout cas, je suis fière. Je suis fière d'être son épouse. C'est quoi son petit nom déjà? Il s'appelle Fifi Mon Trésor. Fifi Mon Trésor. Ok, d'accord. Donc, il faut lui parler. Il faut parler à Fifi Mon Trésor. Ok, donc Fifi Mon Trésor. En tout cas, ton amour n'est pas venu comme ça. C'est un amour sincère qui vient de Dieu. Donc, cet amour, c'est un amour durable. C'est l'amour qui peut nous séparer. C'est ce que moi, je peux vous dire. Vous l'aimerez jusqu'à la gare et ce n'est que la mort qui pourra vous séparer. Franchement, c'est beau. J'ai envie de dire, donnez-nous un peu. Et je pense que tous ces moments ont permis à consolider vos liens, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes un couple soudé, un couple formidable. Et nous avons des personnes qui vous connaissent, qui ont partagé votre quotidien et qui ont accepté de témoigner. Suivons cet élément. Le couple Ma, il faut dire que Madame Ma même est ma fille. Monsieur Ma, c'est mon frère cadet. Hubertine, c'est mon amie depuis que nous sommes à la jeunesse. Ce qui m'édifie, c'est un couple qui aiment beaucoup le Seigneur. C'est leur maturité, leur capacité de garder les secrets du couple, du foyer. Ce qui m'édifie, c'est leur courage, l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre. J'ai été témoin de l'épreuve qu'ils ont traversée. Et pendant cette épreuve, il faut dire que M. Ma était vraiment ferme sur sa décision. Ils n'ont pas aussi cédé aux provocations de la vie. L'ancien camarade de M. Ma, qui venait souvent s'interférer dans leur marche lorsqu'ils étaient encore fiancés même d'ailleurs. Il faut dire, M. Ma, qui n'avait pas une très bonne situation financière à cette époque, il y avait son ex qu'il voulait prendre pour épouse, mais qui est du genre, j'aime pas, mais je ne laisse pas. À la limite, elle avait honte de lui. Il y avait aussi le poids de la belle-mère qui ne voulait pas de cette union. Mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Ils sont aujourd'hui mari et femme. C'est la vérité. Je n'étais pas d'accord à 100%. Au fil des temps, j'ai essayé de tester M. Ma pour voir véritablement s'il aimait ma fille. Au bout de 8 ans, j'ai accepté la dot et nous sommes arrivés au mariage. Mes félicitations et ils sont vraiment exemplaires. Un mot à leur endroit, c'est de les féliciter et les encourager et qu'ils règlent les problèmes, les différends qui pourraient arriver entre eux dans la chambre conjugale. Perso, je leur tire mon chapeau. Je vous love go comme ça. Voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous m'avez vraiment épaté par votre courage, par votre ténacité face à toutes ces épreuves que vous avez traversées. Vraiment, merci, merci beaucoup. Continuez à vous aimer, à vous respecter et puis à continuez de communiquer main dans la main afin d'avancer davantage dans votre couple. On vient de suivre cet élément, ce témoignage. Qu'est-ce que cela vous fait de les entendre parler de vous de la sorte? Oui, moi je suis vraiment content, surtout de la réaction de ma belle-mère. Il y a eu des choses cachées qui sont révélées. Je profite pour lui dire merci de m'avoir donné ce beau cadeau. C'est elle qui l'a éduqué. Je lui suis infiniment reconnaissant. Et je le serai tous les jours de ma vie. On a fini la déclaration à l'épouse, on fait la déclaration à la belle-mère.
elle est comblée. Je pense que de là où elle est en ce moment, elle est en train de sourire. Et vous? Je tiens à dire merci à mon amie. En tout cas, c'est elle, elle est au cœur de cette histoire. Et c'est elle qui m'a consolée. Elle s'est montrée un véritable ami à mes côtés. Donc, je lui suis vraiment infiniment reconnaissante. Merci infiniment à vous d'avoir aidé Fifi Trésor et Amour à rentrer véritablement dans cette grâce du mariage. Merci d'avoir accepté de témoigner. Et là, nous avons notre petite rubrique ici. Notre petit débat, c'est Amour et Désamour. Amour et Désamour, le sujet du jour est le suivant. Jusqu'où les beaux-frères et belles-sœurs doivent intervenir dans la vie de couple? Allez, commencez chez vous. Moi, je me tourne directement vers Fidèle. Oui. Jusqu'où on doit intervenir en tant que beau-frère ou belle-sœur? Parce qu'on a l'habitude de dire le foyer de mon frère, c'est mon foyer. Mm-hmm. Donc, j'interviens dans le foyer de mon frère. On ne voit pas si on doit intervenir, mes parents doivent intervenir dans ma relation avec mon épouse. C'est le jour de son accouchement. Ils viennent juste danser. Voilà. Sinon, le reste... Nous le partageons à deux et nous le surmontons à deux. Et c'est le conseil que je voulais donner à tous les couples du monde et je pense que c'est le meilleur conseil. Partagez vos quotidiens à deux. Donc pour vous, le frère, le beau-frère, la belle-sœur ne doivent pas intervenir. Non. Donc ils doivent intervenir que le jour où votre femme accouche. C'est ça. Là, ils viennent, ils dansent c'est et puis ça. Après ça, ils repartent chez eux. C'est et vous? Enfin, elle fait toujours pour moi. Ah, elle vous copie. C'est ça. Ce qu'il a dit, c'est juste, donc, il partage son avis. Mais il n'y a pas de circonstances où on dit, ah, mais c'est ma soeur. Pourquoi tu fais ça à ma soeur? Donc, votre soeur vient intervenir, vous dit, mais attends, Fidèle, pourquoi tu fais ça à ma soeur? Ou la soeur de Fidèle vient vers vous pour dire, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça selon vous? Non, c'est pas normal. Et puis, jusqu'où ils doivent arriver dans leur intervention? Donc, pour vous, mais ils ne doivent pas intervenir. Ils ne doivent pas intervenir. La seule intervention, c'est le jour de la naissance. Voilà. C'est une maladie. C'est ça. C'est ça, Amélie. Franchement. Jusqu'où, selon vous, ils doivent intervenir? Vous savez, Amélie, naturellement, en Afrique, les gens ont tendance, surtout la famille, à pouvoir s'y gérer dans la vie conjugale de ses frères. Et vous savez, à un moment donné, quand cela dégénère, ça peut voler aux éclats et puis passer certainement au divorce. Vous savez, il faut savoir suggérer les choses. Quand on se marie, c'est à deux. Et à un moment donné, il faut savoir gérer ces conflits. Il faut savoir s'y amortir et pouvoir gérer. Et toute fois où vous allez appeler, ou du moins la famille extérieure vient s'ingérer, ça peut créer beaucoup de choses. Donc, la vie conjugale, la vie de couple, c'est à deux. On peut prendre conseil, naturellement, certainement chez des personnes plus expérimentées, chez son aîné et tout ça, mais s'ingérer quotidiennement, c'est pas conseillé. Donc, arrêtez cette affaire de dire « oui, c'est ma sœur, donc je viens intervenir dans son foyer ». Richemont l'a dit, vous ne devez pas intervenir dans la vie de couple. Pour Fidèle, c'est clair, c'est que le jour où sa femme a accouché, vous devez venir intervenir. Mais on ne doit pas permettre au beau-frère ou à la belle-sœur d'intervenir régulièrement dans la vie de couple parce que le couple, c'est à deux. Donc, c'est monsieur et madame, c'est pas monsieur, madame, frère et sœur ou bien madame, monsieur, cousin, cousine. Non, c'est monsieur aussi, et madame. Mm-hmm. Et c'est nous-mêmes, on donne la valeur à notre conjoint. C'est-à-dire, il ne faut pas chaque fois exposer son conjoint, sa famille, ma femme a fait ci, ma femme a fait ça, vice-versa. Vous savez, à un moment donné, vous-même là, l'image que vous donnez à votre famille permet que ces personnes n'ont pas vous débarquer. À un moment donné, vous voyez, dans des familles où la belle-mère débarque, elle arrive à la maison, elle commence à s'emporter, elle commence à dire des choses. Et puis, cela crée beaucoup de conflits dans des... Et des frustrations aussi. Des frustrations également. Frustration pour donc, donnons de la valeur à nos conjoints. C'est ça. Quand ça ne va pas, il faut savoir régler ces problèmes. Il faut compter sur soi-même. C'est quand ça dégénère, on peut prendre conseil. Mais s'ingérer, non. Il faut éviter l'ingérence dans la vie des couples. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Hubertine, quel conseil souhaitez-vous donner à toutes ces femmes qui traversent cette situation? Donc, merci à l'animatrice, merci à notre coach, merci à l'équipe de production. Je tiens à dire aux jeunes filles de ne pas regarder le matériel
si tu aimes un homme, il faut construire avec lui pour que tu sois heureuse. Mais n'attends pas à ce que tout soit cuit. Souvent, il y a des filles, elles ont tendance à dire, quand on souffre avec un homme, après, il te laisse. Et ça dépend. Quand tu connais son passé, que tu veux t'imposer, bafouer son autorité d'un homme, forcément, il va te laisser. Donc, si tu as souffert avec lui, que tu lui dois toujours du respect, il ne peut jamais te laisser. Moi, c'est ce que je peux dire. Merci, merci Bertine. Fidèle. Oui, merci, Méliane. Merci à l'équipe de production. Merci à RTI2 pour l'occasion que nous a tout fait pour pouvoir parler de notre histoire. Je sais bien qu'elle est édifiante. Alors, pour terminer, je voudrais dire à tous les couples, surtout aux hommes, quand tu veux quelque chose, il faut faire l'effort pour garder ta chose. Surtout une chose qui te tient à cœur. Donc, quel que soit tout ce qui va arriver, reste ferme et inébranlable. Et crois à l'amour que tu portes pour ton conjoint ou ta conjointe. Alors, soyez positif dans votre relation. Vous avez la solution des problèmes que vous avez dans vos couples. Les solutions ne viennent jamais de l'extérieur, mais c'est vous-même qui avez les solutions. Comptez sur vous. Et ayez confiance les uns envers les autres. Merci et que Dieu nous bénisse. Merci infiniment, fidèle. On va répondre Amen. Richemont. Oui, mesdames, je vais revenir dessus. D'abord, mon mot de fin, c'est-à-dire concernant les ex dans le foyer et tout ça. Toute personne a une vie, a un passé. Et il ne faudrait pas que ce passé-là vienne tellement saboter en quelque sorte même la relation et le foyer. Et il y a des personnes aussi, jusqu'à maintenant, ont tendance à toujours communiquer avec ces personnes-là. D'abord, il y a la frustration. Moi qui suis dans le foyer, j'ai une relation avec quelqu'un, du coup, il y a cette conversation. Mais quand je suis dans une nouvelle aventure, quand je suis dans un foyer, il faudrait que je passe et puisse m'enterrer. Et puis, concernant aussi l'ingérence aussi des familles, surtout en Afrique, hein, surtout en Afrique, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, donc je dois partir chez lui. Je dois certainement m'ingérer, je dois parler dans son affaire. Et c'est dangereux. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui débarquent chez leurs frères, qui débarquent chez leurs soeurs. Arrivé là-bas, à une certaine heure, certainement, la personne n'a pas été programmée. Donc, au niveau de la nourriture, quand il sort de là, il commence à dire des choses sur son épouse, il commence à dire des choses sur son époux. Cela, ça crée souvent des problèmes, non seulement des problèmes. Et aujourd'hui, il y a des personnes avec qui on échange qui n'ont plus cette conversation avec leur famille. Parce que leur sœur, parce que leur frère a dit des choses, a telle enseigne que même les parents ne veulent plus voir ces personnes-là. Chers frères et sœurs, arrêtons de faire ce genre de choses. Ce n'est vraiment pas intéressant. Donc, à un moment donné, cette personne-là a cette responsabilité parce que si je suis marié, j'ai le pouvoir de pouvoir gérer mon foyer. Donc, laissez-les vivre leur vie tranquillement. Éviter d'intervenir dans les relations, laissez-les vivre leur vie. Donc, il faut juste rappeler que nous étions en compagnie de monsieur Kwasi Richemont, qui est conseiller matrimonial et psychologue. Le couple du jour, c'était le couple Mans, Fidèle Mans, qui lui est instituteur, et son épouse, Aké Gobé. Hubertine, épouse Mans, elle est caissière. Merci d'être resté en notre compagnie pour ces 52 minutes. J'espère que vous avez appris davantage. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre numéro d'Un couple, une histoire. D'ici là, aimez-vous véritablement et fermez la porte au racontard. Bye bye!